On reprend Mission Impossible. Donc cette fois, on s'attaque à la mission là, suivante. Le QG de la CIA. C'est juste après la liste NUC. Un ami. Voilà dans un sale pétrin. Impossible de prouver votre innocence. La CIA tient à sa réputation. Et vous êtes devenu un peu trop encombrant pour vous. Heureusement, vous pouvez compter sur Candice, qui va vous prouver sa reconnaissance de l'avoir sauvé des griffes du KGB. Et pas de panique, vos nausées sont dues à leur café, qui est une véritable horreur. On dit même que leur expresso est classé comme arme mortelle par le FBI. Ethan Hunt, inutile de vous présenter Hunt, c'est un agent encore fidèle à l'IME. Mais comment en es-tu? Et Candice a repris son service à Bangalore. A une dette envers Ethan qui devrait peut-être lui demander de l'aide. Nous fera-t-elle confiance à un agent renvoyé du service? Communicateur, pistolet fléchette, chewing-gum explosif, la formulette. Un taser. Ça ressemble à une claire molette. Et un scanner digital pour copier les empreintes digitales. Hop. Sortir de la salle d'interrogatoire, récupérer le matériel, entrer dans le couloir. Tu ferais mieux d'avouer, Hunt. Tous les faits sont contre toi. Tu es sorti indemne de l'ambassade, sans aide, c'est impossible. J'oubliais ton compte en banque largement créditeur. Tu connais Max. Avoue, Ethan, tu es l'espion de Max dans la CIA, une sale taupe. Ok, tu veux me mener en bateau, ça m'est égal, mais sois sûr que je vais te le faire payer. Et très cher. Tirer dedans. Le vieux, leur café est ignoble, mais là, franchement. Évidemment, c'est bouclé. Ethan, ici Candice, dégage de là, nous aurons des problèmes. Je cachais une tablette de chewing-gum explosif près de la tasse. Communicateur, scanner d'empreintes, pistolet fléchette. Rendez-vous sur le toit, dans la salle de maintenance. Est-ce que j'ai tout pris? Je suis pas sûr. Bon, on va dire que oui. Nous reviendrons quand le sérum aura fait son effet. Prenez-moi s'il y a du nouveau. Comptez sur moi. J'adore le CIA marqué à l'envers sur sa casquette. Ah là là. Bien, j'ai 7 minutes pour m'enfuir. J'ai dû tirer avant qu'il me tasse la gueule, ça aurait été mieux. Empreinte non reconnue. Ça y est, juste mon empreinte. Maléfique, on a le taser. Ah merde, les caméras. Il va me falloir la bombe de peinture.
Bien. On pourra jouer à Microsoft Paint sur le Vienne. Ça va être amusant. Entrée repérée sur caméra 2. On voit un garde. MDR. Le but est de pas taguer les caméras pour pas se faire pourchasser par des gardes inutilement. Voilà. Ensuite. On a 5 minutes. Que j'ai le temps. Oui. Ouvre-moi ça, mon salaud. Et on va taguer celui-ci. Eh merde. J'ai raté mon coup. Le garde arrive. Ma cavalerie. Tiens, bouffe. Et toi aussi. Oh merde. Du coup, je vise très mal maintenant. J'ai l'empreinte, mais je suis complètement défoncé. Ça va être dur de viser comme ça. Bravo. Allez, bordel. J'ai l'empreinte. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ça va plus vite comme ça qu'en marchant. C'est pour ça que j'ai fait le déplacement latéral. Ah, c'est bon. Sûrement quelque chose à récupérer ici. Je suis pas venu pour rien. Quoi. Ah bah merde, y'a rien. Je reviens pas de départ. On va aller dévorer là-bas. Il reste 3 minutes. Il doit sûrement y avoir d'autres caméras là dans le coin. Ouais. Bien. J'ai plus de taser. Fléchette. Oh merde. Trouver le sergent pour sortir échec. Bien compris. Ok, je vais peut-être recommencer. Ouais. C'est mort. On recommence. Ah, c'est ridicule. J'ai mis trop de temps. Mais c'est bien, au moins, il y a plusieurs façons d'échouer, quoi. Ils y ont pensé. Hop, j'ai pris en empreinte. Il est où le taser? Il est là. On va leur taser la gueule. Compris, restez à l'écoute. La cavalerie arrive, je me suis fait repérer par la caméra. Ouvre-moi ça, et toi aussi. Oh merde, il m'a eu. Il m'a eu le salaud. Fais chier. Allez.
Elles ont même pas de munitions, ces salauds. Parfait. On va récupérer ses empreintes. Ah, je peux pas tout de suite. Oh putain, j'étais presque. On va d'abord éliminer les renforts, ensuite les gardes. Bouffe-moi ça. 10 balles. Bravo. Faut que j'économise des munitions, on sait jamais. Donne tes empreintes. Empreinte non reconnue. Il faut que je la récupère sur le chef de la prison. Bouge ça, connard. Non, que dalle. Bon. Échec. Pas de chance, c'était le seul capable de t'aider à atteindre l'infirmerie. Oh putain, ça m'emmerde avec ça. Heureusement que j'ai sauvegardé. Bon, en gros, il va s'asseoir et il va croupir en prison. Comme une merde. Et voilà. Comme ça, vous aurez vu. Bon, on recommence. Quoi? D'où il m'a vu? Mais c'est n'importe quoi. D'abord, il est occupé le con. Ensuite, on va éliminer le garde. Bravo. Bouffe-moi ça, chien. On prend son taser, on retourne de l'autre côté et on n'élimine pas le chef de la section. Juste sauvegarder quand même. Hop. On va le menacer avec un flingue. Y a rien ici? Non, c'est bon. Dépêche, 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 dépêche. Oh les mains. Oh merde. J'espère que j'aurai le temps. Ouvre la porte, salaud. Donc là, en fait, il faut courir vers l'ascenseur. Voilà, magnifique. Bravo. Et là, on l'élimine. C'est bon. On va pouvoir monter à l'infirmerie. Voilà, c'est pas très compliqué.
faut aller voir le docteur qui va nous refiler un médoc pour qu'on se sente mieux. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Tenez, buvez-moi ça, vous allez vous sentir tout de suite mieux. Trouver l'antidote, ok. Détourner l'attention, trouver un accès au toit. Alors je crois qu'il y a deux moyens de faire. Soit on fait monter ce lit d'hôpital au plafond, soit on lui bousille son sport. Hop. Et là on saute. Ah merde. Du calme monsieur, gardez espoir, la vie n'est pas si moche. Appelez la sécurité. Bon. Voilà pour l'échec cuisant. Faut que je détende l'attention. Pas en le faisant tomber de son lit. De son tapis, pardon. Ok, on y va. Ben voilà. Allez, l'une des parties les plus longues du jeu. Difficile, mais pas la plus dure. Candice, j'ai caché tout votre matériel dans un petit sac. Il faut neutraliser temporairement les projecteurs de l'héliport. Ils enverront un réparateur, et vous pourrez ensuite investir la place en prenant son apparence. L'hélico reste votre seule chance d'évasion. Placez un brouilleur électromagnétique à un endroit stratégique pour l'immobiliser. Vous ne pouvez compter que sur vous-même pour déjouer tout le système de sécurité. N'oubliez pas que la CIA est avec nous, Ethan. Alors essayez de ne pas faire trop de casse, ok? Je vous attendrai comme prévu avec de nouvelles instructions. Donc là, il y aura plein de choses à faire. Hein. Saboter l'éclairage de l'héliport, trouver le sac de matériel, les cartes d'accès, réparer l'éclairage. Paralyser l'hélicoptère, entrer dans la zone de sécurité, trouver le code et rejoindre Candice. Fantastique, Ethan. J'ai laissé un sac plein de matériel là-haut. Utilise ton scanner pour trouver. N'oublie pas de saboter les projecteurs. Peut-être utiliser le taser. J'ai envie de sauvegarder d'ailleurs. Et la suite, ça sera dans la prochaine vidéo.